With an area of 5,000 meters squares, it now contributes to making the facade of a prince's palace look even more majestic. And there you can see the changing of the guard taking place every day at 11:55 a.m. So we just saw Edie Nastas arriving. Thank you. You can see guests who keep on leaving the Hotel de Paris, where most of the most prestigious guests are staying in Monaco. So here comes the De Savoie family with Prince Emmanuel De Savoie and wife, French actress Clotilde Courau, as Italian stylist Giorgio Armani just entered the square and is now walking to the courtyard. There comes Sir Roger Moore, worldwide known actor. Best known as James Bond, of course. Thank you.
Here comes Mr. Guy Laliberté, who's best known for being the current CEO of Cirque du Soleil. Here comes Mr. Karl Lagerfeld, that I guess we don't need to introduce anymore. He's like the ultimate stylist and a good friend of Princess Charlene, as he's a good counselor, and he has made many photos of the royal family and has been portraitist for Charlene. And he's been, just like Mr. Armani, he's been rumored to have designed Charlene's dress, which we still don't know. So here we can see Mr. Bernard Arnault. The French businessman best known as the chairman of and CEO of a French conglomerate, LVMH, the largest luxury products company in the world. You can see former model Inès de la Fressange, who came with two daughters, taking pictures inside the courtyard. And of course, our invited many members and cousins of Prince Albert too, including his best man, Chris Levine, who is Grace Kelly's nephew. And that's another member of the royal family that Charlene chose to be a bride of honor. Yes, Charlene's best woman will be Donatella Knecht de Massey, who's related to Albert as well.
Here comes Mrs. Bernadette Chirac, wife of former French President Jacques Chirac. Mrs. Chirac, who is escorted by her bodyguard. Mrs. Arnault was talking with Karl Lagerfeld. A family who comes with her children and maybe here comes Emmanuel Filiberto, Prince of Venice in Piedmont, with wife Clotilde Courault, members of the House of Savoy. Here's model Naomi Campbell, who dared to wear a green dress. Naomi, who chose to come to Albert's wedding when she actually was invited to Kate Moss's wedding today. But she picked up the royal wedding, and we totally understand her. See?
We just saw cousins of Prince Albert who will read the universal prayer during the Mass. In a green dress, you can see Iron Empress Pallavi. You can see the famous A and C with the crown. Count and Countess of Paris are on the red carpet right now. We are starting to hear the Monte Carlo Philharmonic Orchestra sound checking. Here comes Jean Todt and his wife. More than 25,000 flowers have been put here and there all over the rock, including the streets and the courtyard and the palace and the whole principality. Thank you.
orchestra is starting to play to make the guests wait for the beginning of the ceremony. Former Grace Kelly's Dame de Compagnie, who is hugged by Karl Lagerfeld. Beato Tozzi Princess Madeleine from Sweden and her brother, both children of Queen Victoria. While the orchestra is playing Sinfonia number 1, from the cantat number 35 from John Sebastian Bach. Thank you.
How the royal families are leaving their hotel. Miss Charlene's with stuck mother and her two younger brothers. Lynette Whitstock and Shen with Garrett Whitstock. Here comes the Kazi Raggi family, the Grimaldis, Pierre, Charlotte, Princess Charlotte, along with her boyfriend. Andrea Kaziragi. Here comes Princess Stephanie and Princess Caroline, along with Caroline's youngest daughter, Alexandra de Hanovre, and Stephanie with Louis and Pauline Ducruet, and Camille Gottlieb. Prince Albert's sisters, we remember Stephanie, who was very emotional yesterday during a celebration of the civil wedding.
Pauline, Stephanie's older daughter. Prince Guillaume from Luxembourg. Princess Victoria from Sweden. Prince Haakon, along with Princess Mette Marit from Norway. Princess Mette Marit. Prince Frederick and Princess Mary from Denmark. Prince Philip and Princess Mathilde from Belgium, followed by Prince Salman from Bahrain, along with Major Sheikh Hamed bin Isa Al Khalifa. Most of the guests are here. The last cars are arriving.
last guests are entering. We can see the government. Ambassadors. Guest keys are all here. I guess there are some seats left, but only a few right now. Maybe it's not too late. Of Luxembourg. And his wife, the Grand Duchess of Luxembourg. We are kind of seeing Mr. Sarkozy on his way, escorted by police. Well, we guess it is French president. King and Queen of Belgium. His Majesty Albert II, King of the Belgians, along with Queen Paola. Followed by Queen and King of Sweden. Family has moved to the Rock this year to live in Monaco along with the new princess. French Republic President Nicolas Sarkozy, who is
alone, and you guess why? Because of what's expecting Mrs. Sarkozy. Needless to say, how relations are tight and important to the royal family with France. Mr. Sarkozy is entering the courtyard. You can see all the bishops, canon and archbishop entering, going to the altar. There are 25 priests who are here today to celebrate the wedding from all kind of religions to represent all the religion in the world. They're walking towards the choir. We can see many bishops, but we all know that the celebration will be made by Monseigneur Bernard Barcy, who has been the Archbishop of Monaco since his episcopal ordination on the 16th May of 2000. Mr. Monseigneur Bernard Barcy, who said earlier how a joy and an honor it is
for him to be part of this major event. So here comes Prince Albert, who's wearing the white carabiniers outfits, the summer outfits. Voilà. Voilà. Oui, oui, nous voit bien. Vous êtes contacté. He's talking with the Archbishop, who's asking him how he feels, if he feels relaxed. Prince Albert seems to be quite relaxed, like he just said to Monsignor Borsi. And we are all waiting for Charlene with his father Michael. There she is. Beautiful Charlene Wittstock, she's splendid. She's crossing the court. We'll let you enjoy this moment. She looks really moved by what's going on around her. She's followed by seven brides of honor from Monaco, wearing traditional outfits. We still don't know who designed the dress, but make sure we'll tell you as soon as we know it. Beautiful white silk dress. A very long train. Very long silk train. Very simple vial, white flower bouquet.
can hear celebration from Standing Stone, from Paul McCartney, sung by Lisa Larson and Kenneth Tarver. Paul McCartney, who has been the first couple choice for beginning the ceremony. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. In the name La of paix the Father, soit Son avec and vous. Holy Spirit, Amen. Prince Albert, Charlène, en ce beau jour où devant Dieu notre Père, vos parents, vos amis et le peuple de Monaco, Albert vous vous engagez pour in toujours this beautiful day, dans le sacrement de mariage. L'Église God, our Father, vous accueille your parents, avec une your grande friends, joie. And the people from Monaco, you are getting engaged forever van Heinde in the holy marriage sacraments. And the church en die burgers van Monaco is welcoming te deel. You with great joy. Ons vertrouw dat hier die eenheidsband tussen Prins Albert now you can en hear Prinses Father, Charlene, Father Carlo van hoop, Adams, een eenheid voor al die inwoners van ons wereld. Reading a prayer in Nous tous Africana, qui communions à votre bonheur en vous entourant de votre respect Africa, et de notre affection, nous nous associons à votre prière pour demander à Dieu de vous bénir, de rendre fort votre amour et de vous garder dans l'unité et la fidélité. Choir who is singing Gloria from Missa in C dur by Wolfgang Amadeus Mozart.
Pierre Debar, who's chapel master at the Prince's Palace and Cathedral, is directing the choir. Needless to say, the whole musical program of the wedding ceremony will be performed by the Monte Carlo Philharmonic Orchestra and the Monte Carlo Opera Chorus. The couple wished for a joyful ceremony. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as prouvé combien tu nous aimais en nous envoyant ton Fils qui a donné sa vie pour nous. Nous te prions aujourd'hui pour Albert et Charlène. Que Jésus-Christ soit maintenant auprès d'eux et les aide à se donner pour toujours l'un à l'autre, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Now, Pauline Ducreuil, Stéphanie's daughter, is going to read an extract of Toby's book. Hein? Lecture du livre de Toby. Le soir de son mariage, Toby dit à Sarah: nous sommes les descendants d'un peuple de saints et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils se levèrent tous les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils demandaient à Dieu sa protection. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Puissions-nous vivre heureux jusqu'à notre vieillesse, tous les deux, ensemble. Parole du Seigneur. Now you can hear the little singers of Monaco. Singing a song.
We can see Caroline's daughter, Charlotte Casiraghi, who's going to read the first letter from Saint John. Aimez-vous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Parole du Seigneur. Charlotte is 25 years old. She's Andrea's younger sister and Pierre's older one. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jesus Christ, il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ces paroles du psaume 102 expriment parfaitement nos sentiments au moment où le prince Albert II de Monaco et mademoiselle Charlène Wistock, conduits par leur foi et leur amour mutuel, vont échanger devant Dieu et l'Église leur consentement de mariage. Monseigneur Barsi, oui, aujourd'hui nous bénissons Dieu, l'Éternel, le Dieu d'amour, qui a permis la rencontre du prince Albert et de Charlène. Nous rendons grâce à Dieu qui a fait germer et grandir dans le cœur de ses époux un amour réciproque et profond. Frères et sœurs, ici présents à Monaco ou à travers le monde, le mariage d'un homme et d'une femme nous concerne tous, car par ce sacrement de l'Église, l'amour exclusif et définitif des époux devient le signe de l'amour dont nous sommes aimés par le Seigneur. Le mariage concerne également la société, car en fondant une famille ouverte à la vie, les époux construisent l'humanité. En ce jour de fête, prions Dieu pour le prince Albert et la princesse Charlène, afin qu'ils vivent dans l'unité et la fidélité, un amour fécond pour leur joie et notre joie. La grandeur de l'engagement dans les liens sacrés du mariage est révélée par la parole de Dieu. Dans sa lettre que nous venons d'entendre, Saint Jean annonce avec puissance ce qui constitue le cœur de la foi chrétienne. Dieu est amour. Sa Sainteté, le pape Benoît XVI, qui dans un message personnel vous assure, Monseigneur et Madame, de sa proximité spirituelle, de sa prière et de sa bénédiction, a repris pour sa première encyclique cette appellation biblique « Dieu est amour ». Le Saint-Père a ainsi désiré parler de l'amour dont Dieu nous comble et que nous devons communiquer aux autres. Toute l'histoire biblique est l'histoire entre un Dieu qui par nature même est amour et qui veut nouer une alliance de tendresse entre lui, l'homme et la femme, une alliance indéfectible à l'image d'un amour conjugal unique et fidèle. Mais nous le savons, notre mal et notre péché brisent cette alliance. Bien loin de se résigner à nos ruptures, Dieu nous donne son Fils Jésus pour sceller dans sa mort et sa résurrection une alliance nouvelle et éternelle. Avec l'Évangile, Jésus nous appelle à aimer à la manière de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimer comme Jésus dans le mariage chrétien, c'est vivre la communion entre époux et avec Dieu. C'est penser d'abord à l'autre, c'est donner, se donner, c'est vivre la fidélité, c'est réaliser le pardon qui est la forme suprême de l'amour. Ainsi, les époux ont la responsabilité de témoigner leur foi et leur amour aux enfants et des autres personnes. Monseigneur, la mission de prince souverain de Monaco que vous avez reçue de la grâce de Dieu vous engage envers Dieu et votre peuple avec celle qui est désormais votre épouse, la princesse Charlène, à aimer comme le Christ nous a aimés et à bâtir dans le monde la civilisation de l'amour si chère au cœur du bienheureux pape Jean-Paul II. Vous allez échanger vos consentements devant Dieu. En fait, cette expression est imparfaite, car c'est en Dieu que vous vous mariez. Dieu est présent à vos noces, comme il était aux noces de Cana. Dieu s'engage avec vous et vous lui. Par sa grâce et au sein de vos fragilités, Dieu veut rendre fort votre amour, afin que celui-ci franchisse sans peine les épreuves de la vie. Ensemble, soutenez-vous mutuellement dans l'exercice de vos lourdes responsabilités.
Revenez souvent vers le Seigneur dans la prière, la lecture de sa parole, la pratique des sacrements, la participation à la vie de l'Église, l'écoute et le service des autres, en particulier des plus petits et des plus pauvres. Votre union conjugale est célébrée au cœur de l'Eucharistie, que ce sacrement du corps et du sang du Christ nourrisse et soutienne votre marche vers la sainteté à laquelle tout être humain est appelé. Chers amis, proches ou lointains de Monaco ou d'ailleurs, le mariage du prince Albert et de la princesse Charlène nous réjouit. Nous avons aujourd'hui le bonheur de les entourer au moment où ils s'engagent pour toujours dans le mariage chrétien, et nous les remercions pour leur témoignage d'amour. En retour, nous leur donnons notre affectueux respect, et dans notre prière, nous formons des vœux pour leur famille et leurs enfants à venir. Que Dieu leur permette de vivre heureux jusqu'en leur vieillesse, tous les deux ensemble. Jésus était invité à un repas de noces à Cana en Galilée, la Sainte Vierge Marie également, ainsi que les disciples. Or, on manqua de vin. Dans cette pénurie imprévue, Marie, la Mère de Dieu et des hommes, donne un conseil aux serviteurs en parlant de son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Les serviteurs ont obéi à la parole de Jésus. L'eau fut changée en vin et la fête se poursuivit dans l'allégresse. Cher prince Albert, chère princesse Charlène, suivez le conseil maternel de la Vierge Marie. Faites tout ce que vous dit Jésus et vous trouverez le vrai bonheur. Nous en sommes certains. Amen. Now, Monsignor Barsi is giving the profession of faith to Prince Albert à l'échange and de vos consentements, Miss Charlene. En mémoire de votre baptême, Albert et Charlène renonçaient au mal et proclamaient la foi de l'Église. Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. J'y renonce. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. So, Monsignor Barsi just asked the couple if they believe in God. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois.
J'invite les témoins à prendre place. Now, Monsignor Barsi is inviting Chris Levine. Chers frères Albert et Charlène, Donatella, vous êtes venus devant cet autel pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de contracter mariage. En présence du ministre de l'Église et devant vos familles, vos amis venus de très loin et le peuple de Monaco, le Christ bénit abondamment votre amour conjugal. Pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage, il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ce qu'il a déjà consacré par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Albert et Charlène, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre, librement et sans contrainte. Ils se promettent amour mutuel et respect pour toute leur vie. Ils accueillent les enfants que Dieu leur donne et les éduquent selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église. Albert et Charlène, est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage? Oui. Afin que vous soyez unis dans le Christ et que votre amour transformé par lui devienne un signe visible de l'amour de Dieu devant l'Église ici rassemblée, donnez-vous la main et exprimez vos consentements. Common consent now. Albert Alexandre, voulez-vous prendre Charlène Linette comme épouse et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Charlène Linette, voulez-vous prendre Albert Alexandre comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction, the rings are ce que being Dieu brought a mis, Alexander que l'homme Dianov ne le sépare jamais. Recueillons-nous quelques instants Alexandra, en silence et pensons Caroline's à ce que Dieu a fait pour le prince Albert et la princesse Charlène. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances. Qu'elles soient pour Charlène et Albert le signe de leur fidélité et le rappel de leur amour. Albert, recevez cette alliance. Elle est le signe de votre amour et de votre fidélité pour Charlène. Charlène, recevez cette alliance. Elle est le signe de votre amour et de votre fidélité pour Albert. Itrecha l'enzela,
African song, Click Song by Kemeza Machikiza. This is a marriage, a wedding that allies two different cultures. Perfect mix of Monaco and South Africa. Frères et sœurs, unis dans la joie, entourons de notre prière ces nouveaux époux. Seigneur Jésus, nous te prions pour Albert et Charlène qui aujourd'hui se sont promis amour et fidélité. Soutiens leurs promesses et leur espérance. Seigneur Jésus, Camille nous Gottlieb, te demandons de donner Stéphanie's aux nouveaux mariés le bonheur d'accueillir des enfants et d'être pour eux des parents affectueux et de vrais éducateurs. Here comes Christine Necht. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour les familles des nouveaux époux et pour tous ceux qui les ont accompagnés jusqu'à ce jour de leur engagement et de leur bonheur. And Alexia Necht. Seigneur Jésus. Both daughters of Donatella Necht de Massy. À la joie de nos princes. Toi qui, le Dieu d'amour, affermis la paix et la justice entre les peuples. Dans ta bonté, Seigneur, répands sur ces époux ton esprit d'amour, pour qu'ils soient un seul cœur et une seule âme. Que rien ne sépare ce que tu as uni. Que rien n'afflige ce que tu as comblé de ta bénédiction. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Thank you.
Renée Fleming, who's one of the most famous sopranos in the world, singing Laudate Dominum from Vespere Solenne de Confessore de Wolfgang Amadeus Mozart. You can see Albert and Charlene talking, smiling. Or shall we say Princess Charlene? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Voilà. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons dans la joie. Veille avec une paternelle tendresse sur Albert et Charlène, que tu as unis par le sacrement de mariage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir le chant de notre louange à toi, notre Père et notre Dieu. Car tu as fait l'homme et la femme à ton image et tu as mis en leur cœur l'amour qui les attache l'un à l'autre pour qu'ils ne soient plus qu'un. À travers les peines et les joies de leur vie, au long des fatigues et des merveilles quotidiennes, tu leur dis que tu es proche. Par la communion de leur amour et de leur destin, tu fais grandir en eux ta propre vie jusqu'au jour où tu combleras tout leur espoir
en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et maintenant, que le mystère de ton amour se révèle une fois encore à nos yeux, nous unissons notre louange à celle de tous les vivants qui sont auprès de toi pour chanter et proclamer. Carlo Opera Chorus, renowned international soloists. Sanctus from Mozart. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la Eucharistic source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Viens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Monseigneur Dupuis, notre évêque Bernard et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Fortifie dans la grâce du mariage Albert et Monseigneur Careccio, que tu as conduit jusqu'au jour béni de leurs noces, sous ta protection, qu'ils gardent toute leur vie l'engagement qu'ils ont pris devant toi. Monseigneur, souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Monseigneur Giuliano, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, saintes dévotes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Is the communion time. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et maintenant, appelons sur ses époux la bénédiction de notre Dieu. Il aura fait la grâce du sacrement, que lui-même la renouvelle sans cesse dans son amour. Père très saint, créateur du monde, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, toi qui as voulu leur union et l'as béni, nous te prions humblement pour Albert et Charlène, qui sont unis aujourd'hui par le sacrement de mariage. Que ta bénédiction descende en abondance sur eux, que la force de l'Esprit Saint les enflamme de ton amour. Qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre. Que des enfants viennent embellir leur foyer et que l'Église en soit enrichie. Dans la joie, qu'ils sachent te remercier. Dans la tristesse, qu'ils se tournent vers toi. Que ta présence les aide dans leur travail. Qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger leur fardeau. Qu'ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi dans le monde. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent, entourés de leurs amis, dans le royaume des cieux, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Giving each other
peace from Christ is always a quite friendly or intimate moment, so. Charlene really looks touched and moved by what's going on around her. Miss Charlene, that we now can call Princess Charlene, said earlier that as a princess, her role was to push people to be more dynamic and creative. So, no doubt about how she is going to bring some novelty and fresh ideas to the royal family and the whole rock of Monaco.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Monsignor Barsi is going to bring the cibor to Prince Albert and Princess Charlene to receive the host. The six priests, Gallo, Jensen, Adams, Michelangelo, Di Leo, and Giolino, are designated to go into the six alleys of the courtyard to distribute the host communion. Well, Symphony No. 3 from Camille Saint-Saëns is playing. Who wouldn't like to know what Albert and Charlene sing to each other? Thank you.
Charlene's parents. And yes, we had the confirmation that Princess Charlene's dress is our money. This is Chirac.
the little singers of Monaco. Singing à l'image de ton amour. Everybody is standing for the prince prayer. Prayer for the prince. The little singers of Monaco, who are 30 young singers. Charlotte. Kaziragi. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui venons de partager à cette table le pain que tu nous as donné, accorde à Albert et Charlène, qui se sont engagés l'un envers l'autre dans le sacrement de mariage, de s'attacher à toi et d'être dans le monde les témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. This was the after communion prayer. Now here comes the final blessing. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, ainsi que vos familles et vos amis, lui qui est venu aux noces de Cana. Amen. Qu'il répande lui-même son amour dans vos cœurs,
lui qui s'est donné totalement à son Église. Amen. Que le Seigneur vous donne d'être des témoins de sa résurrection et d'attendre dans la joie le bonheur promis. Amen. Albert et Charlène et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. So we are going to see Andrea Bocelli, world famous tenor, singing the Franz Schubert Ave Maria. Whose A Virgin Mary's Prayer.
So time to sign the register. Princess Charlie needs some assistance to move with this very long train. Has Juan Diego Flores singing some Friedrich Handel. Priests, bishops, and the archbishop are preceding the couple and the grooms to the chapel, to the palace chapel. Saint John Baptist's Chapel. Enter the chapel, held by a bride of honor. The wedding register are being signed. Thank you.
Charlene's groom, Donatella Nest de Massey. Signing. And Chris Levine, Prince Albert's groomsman. Monseigneur Barcy. Five priests are preceding the prince and the princess. That's it today, Saturday, July 2nd, 2011. Prince Albert II got married to Miss Charlene Whitstock, now Princess Charlene of Monaco. The princely couple leaves the palace to go to the Saint Devota Church, where, in accordance with tradition, the princess shall place a bouquet. Their Serene Highnesses will drive through the palace square to go to the church, while the car of the maids of honor will follow them.
A couple is leaving. Prince Albert wears his white gloves and white hat. Maids of honor. That's it. I don't know if you can hear them, but the bells are ringing here in Monaco. They started to ring. They will for 10 minutes. The cathedral's bells are ringing to celebrate the union of Prince Albert II and Princess Charlene of Monaco. The red carpet gets covered in white rose petals. The seven maids of honor are girls from Monaco and neighbor cities, which emphasize Prince Albert's will to really share his union with everyone, especially the people. So we are getting in their Lexus. The princely couple has chosen to use a Lexus LS600HL, which is a one-off model that has been designed specially for them. The manufacturer has also supplied six other vehicles for the day of today, 2nd July, using a hybrid system. The car has exceptionally low CO2 and NOx and particle emissions. The carbon footprint will be calculated and offset after the wedding ceremonies, which is another proof of Albert and Charlene's attachment to environment. One of the many causes they share and fight for. Now the procession will go down the Avenue de la Porte Neuve and will cross Monaco, like following the docks, to get to Saint Devota Church. Will take them 10 minutes maybe. So here you can see all the
Gasky is cheering and applauding the new princely couple. As you can see, they are screaming bravo. Surprising how the people are close to the princely car. Shouldn't be easy to get so close, but prince and princess doesn't seem to worry about that. We can see police and carabiners. So the procession is going down the Avenue de la Porte Neuve along the Avenue du Port and Boulevard Albert I, and then return to the palace along the same route. The princely couple ride is still a Lexus. Princess Charlene seems to be quite, let's say, more comfortable than 2 hours ago, and she can look at the rock thinking this is where home is, because this is her home now. And actually we've seen some South African flags in Monaco today, not only Monegasque flags. To say the people here really love Charlene. And the bells are still ringing. Celebration day in Monaco. Karl Lagerfeld said earlier that Charlene could be or will be the icon of Monaco, but I guess it's already done, she is.
prince and princess at the harbor where Jean-Michel Jarre played last night for all the people in Monaco. So here they are, arriving at the Saint Devota Church, which is a place of tradition, of course, because one of the oldest traditions of the Principality of Monaco that has marked the national culture in areas as diverse as religion, folklore, and popular beliefs, history, literature, art, painting and music, numismatics and stamps collecting is undoubtedly the legend that is known as the legend of Saint Devota, which was passed down from a medieval document. This tradition holds a special place in the hearts of Monegasques, as has been clearly demonstrated throughout the centuries in the history of the city. Saint Devota is celebrated on the 27th of January every year by a religious service. And the day before, a traditional ceremony takes place before the Saint Devota's church, during which a boat is set alight. So the prince and princess are welcomed by Monsignor Fabrice Gallo, who's Saint Devota parish priest. He was ordained at the Cathedral of Monaco by Monsignor Rupi and became priest of Saint Devota Church in 1969.
you can see people from Monaco probably got here very early to see the couple. Virgin Mary, which seems to be very touching to Princess Charlie. Perhaps the whole pressure of these last days finally getting off, and Princess Charlene can finally let the tears drop. Another screen right outside San Devota. Seigneur, tu nous rassembles autour de tes enfants, le prince Albert II et la princesse Charlène. Ils sont venus dans cette église te confier leur amour. Sois présent toi-même à leur fête. Aide-nous à tourner en prière le respect que nous leur portons. Rends-nous tous attentifs à percevoir dans ta parole la grandeur et la sainteté du mariage. Fais que s'épanouisse en action de grâce la joie que nous avons d'être ici auprès d'eux,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Is offering the bouquet to Saint Devota. Just as Grace Kelly did. Fifty-six years ago. It's another princely couple. Is leaving. We are leaving, followed by the maids of honor, Archbishop Father Penzo, Monsignor Gallo, Father Fadi Genda, Jack Ferrua, and Ferxel Fulgon. As you can hear, there's no bells ringing right now. Surprising pipes, bagpipes. You can hear the crowd screaming "Hip hip hip hooray!" And Marines. We can hear words like congratulations. Thank you.
message du pape François, et donc avec tout ça, la semaine prochaine, on va aller à la Bible aussi, les prêtres vous offrent. Merci à vous. Félicitations! This is the first kiss of a newly married couple. Especially for all the people who probably have been waiting here for hours. And you may do not see it, but it's really, 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 really hot today in Monaco, so you have to love your prince to stay there all day. And he knows that. So the procession is returning to the Palais. Where they are going to take the official pictures. And the day is not over, as the dinner and the ball will take place in Monaco. The official dinner prepared by Alain Ducasse, followed by a ball at the Opéra Garnier and on its terraces. And the really awaited fireworks. The fireworks that will start at 11:30 around, and we can announce a rain of gold over the bay and a large pyrotechnic frescoes painted in the sky reflecting over the sea, and a final massive bouquet of red and silver in the colors of the principality. And if a crowd is convinced by the display, the fog horns of all the boats will resonate to applaud the closing of the fireworks. So needless to say that Monaco is not really ready to sleep. The princely couple has chosen Alain Ducasse to organize the official dinner on the opera terraces. He is being assisted by all of the staff at Monte Carlo SBM, heightening awareness of the vulnerability of our environment will be a key part of the event. Mr. Ducasse combines quintessential taste with an accent on local products as wished by the princely couple, as you know it. So the vegetables for the dinner and the milk used in the dessert will come from the estate of Prince Albert II, and the fish will be the product of sustainable trawling practices in the Mediterranean. Naturally, the cook wished to honor the future princess by choosing a charming soft African wine to accompany the courses.
talking about the fireworks, the princely couple has entrusted the creation of a fireworks display to this Société Jacques Couturier organization, which has already given fireworks displays in Monaco. The society has won fireworks display competitions 3 times. And at midnight, at the opening of a ball celebrating the princely wedding, not only there will be a monumental display of fire, but there will also be music. And the ball will be opened musically by an Irish ballad, The Streets of Philadelphia, and Africa by Jenny Clegg. This opening to the performance honors the princely couple's origin, obviously. So now is the time maybe to say goodbye, eyes. The prince and princess are going back to the palace. But this is definitely a day to remember. Newlyweds are really close to the palace right now, where family members must be waiting for them. God seems to be gathered to wait for them. Hope you had a great moment with us today. Great sight of the rock.
You can see some television studios, some tents, but mainly the palace. Even if it's not really easy to find words sometimes about type of event, I'm very glad to have contributed to these moments.
Je vois pas moi.